Hey yo, et voilà. Bon, du coup, liste des tracks. Maintenant, j'ai enfin. Enfin, enfin, à chaque fois, j'utilise le temps que tu. Ah, tu te prépares à avoir peur, c'est ça? Donc, du coup, on va se retrouver sur un jeu. Alors, comment dire? Comment j'ai découvert ce jeu? C'est très simple. Comment tu vas être? Alors, c'est très simple. Le jeu, c'est fait par un développeur que j'avais découvert par Linketera. Et le développeur s'appelle André Burger, mais j'aime bien dire André Burger. Il avait fait Panview Drive. Alors, Panview Drive, pour le décrire, c'est Fort Boyard avec plein de portes. C'est t'as des clés, des portes, et tu dois te débrouiller. De temps en temps, il y a des fantômes. Et donc, disons, là, récemment, j'avais vu qu'il y avait eu un bundle, enfin, qu'il y avait un groupement de jeux où le jeu était genre. C'était une promo. Le jeu Panzer Dream tout seul était à 2, il était à 3 € et là t'avais 4 jeux dont celui-là qu'on va jouer ce soir était à 2,72 €. Je me suis dit allez banco. En plus le deuxième je l'avais en liste de souhait parce que je me disais ça a l'air d'être aussi pété que Panzer Dream et genre le jeu il me dit encore moins quelque chose donc ça c'est pété et inconnu. Donc du coup genre ni deux je l'ai pris. Et bah du coup on va y jouer ce soir. Et du coup pour ta réponse, ce sera que oui je vais bien, je suis super bien. Je sais pas si ce jeu va nous prendre plusieurs lives ou juste un live. Je l'ai pas installé. Ça, je vais l'installer, du coup ça devrait durer à peu près 15 secondes. Je flex dessus avec la fibre. Hop. Donc du coup pour l'instant je peux continuer à parler. Donc du coup on est sur un jeu vraiment très très très. Voilà, on est sur un jeu qui, comme Elodie vient de me dire, qui a tendance à détruire les stats parce que là, des gens passent, c'est improbable. Il y a, si on regarde sur Twitch, il y a 51 personnes qui follow le jeu. Donc 51 personnes qui reçoivent une notification quand il y a un live, je pense. Je crois que j'ai jamais vu plus bas que ça. Genre, dans tous mes jeux, j'ai jamais vu aussi bas. Ah, c'est bon, il est téléchargé. Alors, on va le lancer. Je sais même pas à quoi il ressemble. J'y ai jamais joué, jamais vu. Contrairement à Pineview Drive, j'ai même pas une idée d'à quoi il ressemble. Même si je me doute que ça va être un jeu un peu nul. Alors, pour ceux qui sont curieux, la boîte, elle s'appelle Viz Game. Déjà, franchement, André Burger, Viz Game, franchement, on est sur des noms d'anthologie. Hein, ces gars-là, c'est des Allemands qui font d'abord principalement des jeux simulation un peu pourris. Donc, le fait qu'ils fassent de l'horreur pourri, c'est pas surprenant, mais c'est très drôle. Alors, le jeu, est-ce qu'il se capte bien? Où est-ce qu'il est? Joue au diner. Hop, je vais vous passer sur le jeu. Si s'affiche, je vérifie d'abord qu'il s'affiche bien. Il s'affiche bien. Alors, je vais réduire la fenêtre parce que c'était sur la fenêtre de FTL. Est-ce que au-dessus là? Bon, c'est pas grave. Hop là, je vais vous transitionner. Hop là, hop, on se retrouve sur Show Diner. J'ai aucune idée. Est-ce que le son est pas trop fort? Bon, on va laisser comme ça, c'est le truc de base. De toute façon, le jeu, il est pas joli de base. Hop. La luminosité. Je vais checker après si c'est plutôt bon. Alors, de ce que j'ai compris, on va être dans un diner. D'où le nom Show Diner. Et il est construit sur un cimetière indien. Je vous ai dit que ça allait l'air pété, hein. Alors, nouvelle partie. Vacancy budget. Oh, ça a chargé vite. Même pas eu le temps de lire. Alors, je sais pas. Ah, ça, c'est le producteur. This game. Donc, comme je l'ai dit dans mon tweet, c'est un peu l'amuse-gueule avant le Panview Drive. Oula, c'est fort. Quelque part au bord de la route aussi. 7. Milieu de nulle part. Construit sur les vestiges d'un ancien cimetière indien. C'est joué diner. On dirait une blague! Je suis désolé, mais on dirait genre. Ah, c'est le diner de qui? Joe Diner! Alors, c'est très proche d'une blague anglaise qui utilise justement Joe Mama. J'ai jamais compris, mais voilà. Ok, donc. Putain, mais cette voix, mais c'est cliché. Là, on est sur un AV ou un anar, là. C'est une série B, une série Z d'horreur. Was also the final resting place of the chef indien. Attention. In life, plus grincheuse et merle moqueur. Each other and did their utmost to make each other's life a living hell. Alors,
even in death. Ceux qui regardent des films d'horreur, franchement, c'est les clichés les plus purs qu'on a là. Même la musique, on dirait qu'elle vient de Disney. Mais on tira un peu la musique du manoir, comment ça s'appelle, du Haunted Manor. C'est un peu... On dira un peu la même mélodie. C'est terrible. Pourquoi elle a changé de voix? Ça, c'était pas la même prise, ça s'entend. J'ai pas suivi l'histoire, mais de ce que je comprends, il y avait deux chefs indiens qui étaient pas contents. Ça, c'est traveling. Je vais baisser un peu le son, il est un peu fort de mon côté. Je sais pas si du côté, de votre côté, il est un peu fort. Single, double, inspection invited. Alors, option. Il joue le son. Oh no. Alors, apparemment, je ne peux pas régler le son ici. Donc Ah, je vais mettre en pause le jeu. Juste deux secondes, je vais baisser un peu le son. J'ai pas envie de me faire péter les tympans par le jeu constamment. Non, ça c'est 0. Voilà, 10, ça devrait suffire. Vous me direz si c'est pas trop faible, du coup. Voilà. Alors, vous devez avoir nettoyé toutes les tables avant la fin de service à 6h. Comment je me déplace? Cela ramasser tous les restes sur la table et jeter-les dans la poubelle à la cuisine. Oui, mais comment je me déplace? En sorte qu'il n'y ait pas de bruit dans le restaurant afin que rien ne puisse déranger plus grincheuse. Ah, donc si quelque chose, c'est... faut l'éteindre. Utilise les touches ZQSD ou les flèches directionnelles. Regardez autour de vous. Oui, mais je veux me déplacer. Oh, je peux pas changer les commandes. Non. Mais voilà. Ok, donc c'est la barre de son en bas. Ok, donc on va jouer contre le jeu. Je vais peut-être augmenter un peu l'humidité. Moi, j'ai des reflets de... venant du soleil qui est dans mon dos. C'était peut-être pas la meilleure heure pour le faire, mais bon. Alors, non. Où sont les restes? On cherche des restes, hein. Je vous ai dit... Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est du pain? Ah, ça reste, ça? Oh, putain, ça donne faim, du coup. Oh, non. Oh, non, qui appelle un... Viens d'où? Il fait du son. Le téléphone, il fait ce bruit-là. Ok, donc on retient, il y a un téléphone ici. Les reflets, ils sont pas beaux, quoi. Mais je viens à peine de revenir. Oh. Ah, courir fait du son, donc marcher, c'est pas mal. Attention, on récupère le burger. J'ai l'impression que le jeu va pas être... Je vous ai dit, hein, il va pas être ouf. Ça a l'air vraiment claqué. De ce que j'ai vu aussi dans les... Alors, j'avais un cœur à regarder vite fait les reviews. Il y avait aussi des gens qui disaient que c'était des PNJ qui nous attaquaient. Oh là, t'es comment? 3 repas restants. Oh, il y a un aspirateur s'il me fonce pas dessus. Les repas, ils sont dans les WC. Non, quelqu'un a vu les repas. Des PNJ, ah. Non mais c'est terrifiant. Hein. Attends, mais ils ont un chat empaillé. Ah oh, mais non, pas encore. J'ai à peine d'y retourner. Donc du coup, un repas. Si on avait besoin d'un repas. Le burger. Non mais ça va donner trop faim. Ça va donner plus faim que peur finalement. C'est peut-être la bière, oui. Pas d'autres repas. Terrible. En fait c'est un peu la version Wish du jeu que j'avais vu à un moment. C'était... Mais pourquoi il y a un truc qui fait... Je dirais que c'est mon... Ah c'est mon personnage qui panique. Ou alors il est fatigué. Ah, peut-être le bag of mig. Non. Ah. Non, je crois qu'il panique à chaque fois qu'il y a un son. Mais c'est répugnant. Et qui s'est dépassé? Il est pas dans un air. Des PNG. Pour point nul graphique. Ah bah là... j'ai dit, hein, le jeu. C'est terrible.
J'ai dit, hein, le jeu, il va pas être incroyable. Hein, c'est... On est plus sur le jeu qui va faire des scores critiques ou négatifs que autre chose. Hein. Alors. Oh, il y a un truc ici, une bouteille. J'ai pas testé, je pouvais en prendre plusieurs d'un coup. Il reste deux trucs après à trouver. Mon dieu, il en restera encore un. Et pas réussi à nettoyer avant la fin de votre service. Vous allez devoir commencer. Quoi? Mais c'est timé en plus. Il a spatique. Bon bah... Ok, donc on est timé. Je peux pas prendre mon temps. Non mais cette défaite. Vous avez pas fini votre service, vous êtes mort. Ah non, ah non, me dis pas qu'on se reprend toute la cinématique. Non. Oh non. On va se prendre une... Oh mais non. Je peux pas skip. Je peux pas skip. Bon. Est-ce que là on va pouvoir se concentrer sur le texte, hein? En fait, c'est terrible. Putain, comme le jeu, en fait, on en a jamais entendu parler. Alors, c'est un mois, donc c'est 30 jours. Mais c'est comme le jeu. C'est 30 jours de... trucs d'horreur. Bon, au moins, c'est un peu moins grand. Je peux pas skipper. Ils sont trop fiers de leur cinématique. Ok, donc faut speedrun. Hein. Notez. Faut speedrun le jeu. C'était pas foulé le burger. Non mais. Le burger il est un peu plat là. Mais c'est terrible. Ah mais attends, mais du coup en fait. Il fait plein de bruit pour réveiller l'autre, et du coup l'autre, il vient nous tabasser. C'est terrible. Which is the very last thing you want to, and will, experience. Ah. Bah... Once Grimfeather gets angry, oui, bah oui, il y a plus la même voix. Il y a eu un problème. C'est terrible, ils ont même pas fait de raccord au niveau des voix. C'est quand même pas mal de faire un faux raccord au niveau des voix, ça me rappelle Dying Light 2. Ah, la petite qui devient d'un coup la voix d'une vieille de 49 ans là, qui a fumé un peu trop. Mais en plus, il y a à nouveau cette phase de tuto. Avant 6h, mais elle est où l'heure? Ah, mais elle est là l'heure! Regardez, on a une horloge. Ok, donc faut speedrun. Donc on a un burger là. Ah, mais il y avait un truc là, on l'avait pas vu. On va voir si on peut prendre plusieurs trucs d'un coup. Donc il va falloir prendre un peu des risques. Vous êtes que pour se déplacer. Qui jouerait avec les flèches directionnelles en vrai? Oserait faire ça? C'est pas du tout naturel comme touche. Quand c'est à la droite, j'ai besoin de ma souris. À moins que vous êtes deux sur le PC. Oui. C'est bon, je peux me déplacer le jeu? Ah merde, c'est comme ça. Ok, est-ce que je peux prendre plusieurs trucs d'un coup? Je peux en prendre que un par un. Bon, non seulement je suis timé, mais en plus j'ai pas tout le temps. Ok, donc on se rappelle, il n'y avait plus rien ici. La TV. Voilà, on se rappelle, il y avait un truc là. Voilà. Elle ouvre la porte. Putain, je dois viser la poignée de porte. Attention, ça va être une extra. Antagonisme en chaud. Non, mais vraiment, c'est. Bah non, c'est. C'est l'antagoniste, c'est le fantôme. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est vraiment chaud. Où est-ce qu'on avait. Il y avait pas une bouteille dans le coin? Oh non, les spawns ils changent. C'est procédural. Non. Hop là, je vois rien d'autre. Ok, en cours. On est timé, hein. On est timé, on risque de mourir pas mal. Bon, je pense qu'on va faire les 2 heures et pas plus, hein. Ça va être compliqué. On fera peut-être en plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des trucs ici à ramasser? Il y a des clés. Et les clés sont brillantes. Je peux atteindre les clés. Ok, donc ici c'est juste pour un truc de son. J'ai pas vu d'autres trucs. Où est la bouteille ou autre genre. Il nous emmerde, hein, le fantôme. Hein.
Alors, où est-ce que j'ai vu? J'ai pas vu les autres déchets. Ça arrive. Y a pas de bouteille. C'est pas un déchet. Protagoniste. Ouais, t'avais mal écrit, c'est bien ce que je me dis. Ah, on a un truc là. Oh, pas tout de suite, hein. Attends, cette porte automatique là aussi, elle est en merde. Enfin, elle ferme dans la tête là. T'es tranquille, elle se referme devant toi. Moi, je mettrais un petit truc pour caler. Non, ici c'est. Ah, un burger. Non, c'est quoi? Je sais pas, c'est des Thunders en fait. C'est des Thunders. Ah, ce soir, c'est stream bouffe, hein, c'est terrible. C'est stream horreur bouffe. Tout est mélangé. C'est toutes les catégories possibles de Twitch. Sauf hot tub. Enfin, sauf si le fantôme il arrive dans une piscine qui vole. Il nous reste. Ah, mais on a fini le service. Bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? On doit éteindre tous les trucs? YouTube. Ah, merci. Qu'est-ce qu'on va faire? Je juste survivre. Je peux aller dehors? Non. Ok, ça fait de la musique. À un moment, on va s'acheter dessus. J'ai pas du tout eu peur. Alors, on doit attendre 6 heures. 6 heures, c'est dans quelques minutes. Et on était short quand même, en vrai. Ça semble vachement court, je dois vraiment sprinter. Hein. Bon, au moins, vous avez survécu la première nuit. Vous imaginez, il y a votre boss. Genre, vous passez votre première nuit. Il arrive, il vous dit, bravo d'avoir, bravo, vous avez survécu. C'est pas du tout menaçant comme truc. Ok, il y a un repas de plus. Où est-ce qu'il est mon repas? Là. Ah, il y en a deux d'un coup. Oh là là. La chance. Le Joe Diner est avec nous. En fait, c'est terrible qu'ils attendent la nuit pour tout vider. Allez, faut qu'on aille le plus vite possible. Comme ça, après, on a juste à s'occuper des sons et lumières. Ok, il y a un truc derrière nous. Quoi qui? Ah, c'est la théière. C'est la théière à effet dramatique dans les films. Là, quand je cours, je fais un boucan. Oh, il n'y avait pas un autre truc ici. La bouteille. Ok, j'en ai repéré un autre. Il ne nous restera plus qu'un à trouver. Et après, on aura à survivre. Ok, éteins. What the fuck? Oh, c'était le même son que dans Seven Day to Die. Attends, on va se prendre un screamer. À un moment. Ah tiens, ça c'est une image qui vient de Panic Drive. Ouais, le fait que je reconnaisse, c'est quand même spécifique. Hein. C'est. Je suis un papillon. Ça va, Zetrak? Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, mais les reflets sur la droite sont terribles à chaque fois que je passe à côté. Regardez-moi ça, là. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule à chaque fois que quelque chose s'active. Genre quelqu'un qui commence à faire un rire un peu soufflé. Ah mais c'est sûrement le chef indien là, je sais plus comment il s'appelle, plus grand chose. On dirait que c'est tellement cliché, ouais. Mais il s'appelle vraiment plus grinceuse. Genre c'est terrible. Grinceuse, grincheuse. Plus qui grince. Plume. Allez, c'est le début de la fin, je commence à tout mélanger. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de PNJ qui nous attaque, tout va bien. Mais attention, dès qu'il va nous en balancer deux sons là en même temps. Donc je disais... Je ne peux pas dire. Mais sinon, en ce moment, il veut vraiment activer... Il veut vraiment activer... Il y a un crabe. Est-ce que vous ferez confiance à cet établissement pour manger du crabe? D'ailleurs... Le pain là, il est toujours là. Ça va faire bientôt 2 jours qu'il est là. Il était déjà là avant. Magnifique papillon. J'ai l'impression que tu fais une référence à quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi exactement. Bon, on peut regarder le décor en attendant. Le magnifique décor du Joe Diner. Et le fameux motel abandonné en face. Que de confiance. J'espère qu'il est payé un peu plus que... le minimum légal, parce que là c'est terrible. Il reste la nuit. Et si je me foire. Ah!
Ça fait longtemps que je les ai regardés. Y'a rien aux toilettes? Oh, vous sentez qu'il va y avoir des trucs dans les toilettes. Vous le sentez. Pas des gens originaux. Waouh, ça fait un boucan ça. Donc ça, c'est à la fin de Panic Drive. Hop, je spoil. Ça. Ça, c'est l'épouvantail. C'est un ennemi de Panic Drive. Et ça. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, pour le coup, ça me. Ah, mais non, c'est l'entrée de Panic Drive. Donc ils ont mis que des tableaux qui. Da. C'est que des tableaux qui représentent des trucs de leur ancien jeu, je crois. Prochain jeu. Ça aussi, ça vient de Panic Drive. Die. Jeu. Fixation, vous avez survécu. On s'est pas trop fait attaquer pour le moment. Ah, c'est vraiment exactement ça. Enfin, quoique Panic Drive, il y a un problème. C'est en gros. Vous êtes dans un jeu où vous faites à peu près la même chose. C'est-à-dire, vous faites une tâche très simple. Donc, dans le cas là, trouver des clés, ouvrir des portes. Le problème, c'est que, contrairement à ce jeu-là, j'ai l'impression, la map grandit à chaque fois que vous ouvrez une porte, du coup. Et les clés, elles peuvent être n'importe où à chaque fois. Il y a deux bières. Donc, du coup, vous vous retrouvez à la fin avec un manoir, un véritable manoir. Hein, on parle d'un truc qui a genre 52 pièces sur un étage. Genre, c'est ridicule. Qu'est-ce qui est en train de tourner là? En maintenant qu'il y a. Il veut passer l'aspirateur. Ah, on commence à avoir de plus en plus de machins. Ok. Donc ça va être de plus en plus compliqué avec le temps, surtout si on n'en voit pas un. Donc va falloir être méthodique à chaque fois. Là ici c'est bon. Là ici c'est bon. Là on est bon. Il n'y a rien sur le comptoir, donc c'est forcément dans cette pièce là. Hop, une autre bien. Salut. Alors, salut Ikiayo. J'ai bien prononcé ton pseudo? Est-ce que j'ai bien prononcé ton pseudo? Pourquoi? Cette cuisine est douteuse. Ouais, plus que douteuse, je dirais là. C'est susceptible de pas passer des inspections sanitaires. Et. Là, je pense qu'il y a eu 2-3 cas d'intoxication alimentaire, quoi. Mais ils le savaient pas, ils ont un peu oublié. Après, les gens qui viennent ici, ils n'ont pas vraiment le choix avec ce milieu nulle part. Genre, ils avaient faim, c'était le seul truc. Putain, le milkshake américain, là, la boisson, elle fait 14 km. F direct. Comment ça, F direct? Ah, mais c'est qui? Oui, c'est Pizza Hut? Non. C'est toi et qui, du coup? J'avais jamais vu ton pseudo Twitch. Ah, du coup, ça veut dire que le live a toutes les résolutions? Hop, et là, on a récupéré un burger. Mais en vrai, les burgers. Mais j'ai un ticket, mais c'est des plats complets qu'on jette là. Ils ont pas mangé. Oh, mais il y a encore Pizza Hut là. Oui, ma pizza. Je fais tout le temps cette blague. Quand il y a un téléphone qui sonne dans un jeu, ce sera Pizza Hut. Hein. C'est la pizzeria coup sûr. Par contre, là, quelque chose de terrible va se passer. C'est que petit à petit, je vais me dire, oh, ce jeu il fait pas peur. Et à un moment, je vais se manger un screamer, je vais faire 3 tours avec ma souris. C'est ce qui va arriver. Hein, vous. C'est pour ça qu'en soi, j'apprécie. J'aime beaucoup le style qu'il a parce que c'est très nul. Mais c'est tellement lent que tu peux que avoir peur à chaque fois parce qu'il se passe rien le reste du temps. Regardez dehors là. Or, et si la balançoire se balance pas, franchement, pas ouf. Hein. Et ils ont un vieux téléphone, un téléphone récent. Et qui fait quoi ce bébé? Il y a un bébé qui a pose. Il y a une horloge ici aussi. Promis. Qu'est-ce qu'il y a de marqué ici du coup? Ah, il y a juste une croix qui dit ici. Vous êtes ici. Où la poignée? Trop bruyant. Alors, j'ai couru, j'aurais peut-être pas dû. Il y a quelqu'un qui a tapé à la porte. Ah, on est dans Phasmophobia du coup? Donnez-nous un signe. Yo no soy un vit. On est vit. C'est track, t'es en roue libre comme d'habitude. C'est quoi qui fait ce bruit-là? Vous avez servi cul à votre service de nuit. Ces 30 missions comme ça va être terrible.
Bon, au moins, on devrait arriver à la moitié du jeu, je pense, en 2 heures. J'espère, en tout cas. Alors, 8 plats. Oh là là. Ça se complexifie, tout ça. Mais attends, mais il y a 8 plats, mais j'en vois aucun au début. Et donc, le sprint va être au bout d'un moment limité. Il y en a 2 ici. Il y en a 3. 3 sur la même table, ça fait plaisir. Que sprinter fait du bruit. Ouvrir une porte fait du bruit. Ouais, en gros, tout fait du bruit. C'est logique. Bah merci pour le follow, Iki. C'est quoi le but du jeu? Alors, le but du jeu, c'est... Je récupère des objets. Des plats qui n'ont pas été mangés. Je dois les jeter. Et en même temps, je dois faire en sorte qu'il y ait le moins de bruit possible. Parce que sinon, de ce que j'ai compris, il y a un indien qui s'énerve. Mais en vrai, on dirait un peu aussi, c'est genre la mémé du haut qui vient taper dans le toit, là. Eh, vous faites trop de bruit. Attention, j'appelle la police si vous continuez. Alors bonjour, il peut juste demander. Du coup, bonjour, Kuma. Un indien. Bah, c'est un chef indien. On est sur un... Alors, je le dis comme indiqué dans le titre, le jeu a l'air pété. Et du coup, on est sur un ancien cimetière indien. Et c'est un... Oh non, il y a le téléphone. Bah attends, c'est un modem 56K, ça. Ça vient d'où? Ah, mais c'est de l'autre côté. Ils ont un modem 56K. Est-ce quand je prie longtemps, ça fait plus de bruit? C'est terrible, ce son. Arrêtez-moi. Ah, mais c'était un fax. Merci du follow, Runner. Runner. Non, mais c'est terrible. J'ai à peine de sortir de la pièce. Où est-ce que... Ah, c'est l'horloge. Et donc, du coup, je suis timé. J'ai temps limité. Tout fait du bruit. Et quand il y a du bruit, ils sont pas contents. Donc, c'est un peu compliqué. Ça vient de devenir compliqué, je le sens. Et si on finit pas à temps, on perd. On est viré. C'est la mort ou être viré. Ah, on... Alors, je viens de défoncer mon pseudo, mais tranquille. Ah, comment on le prononce, pardon. Je suis désolé de l'avoir déchiqueté comme ça. Merde, c'est pas ça. Chut. Et ah oui, du coup, c'est un autre chef indien qui fout le bordel. Pour réveiller l'autre. Alors, c'est quelque chose. Rommer, pardon. Rommé, pardon. Deux fois. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire mer à la fin. Rond, mais. Yes. Terrible sur les prononciations. La meur ou chichi. Ah, mais non, encore le truc là. Il se sèche les mains, le fantôme. Et donc, du coup, aussi... bah, du coup, je vais t'expliquer à nouveau ce que j'expliquais au début. C'est fait par un développeur dont j'ai un autre jeu qui est tout aussi nul. Mais encore pire parce qu'il tire sur la longueur. Et du coup là c'est un peu une mise en bouche du style du développeur comme ça. On peut voir un peu comment ça se débrouille. Non alors là on a fini, on doit juste attendre la fin de l'année. Comme ça c'est... Je sais pas si c'est clair. Ouais là c'est clair. Mais c'est juste moi qui sais pas lire. Hein. C'est... T'inquiète pas. Je vais dans les backrooms niveau 0. Ah tu vas dans le channel AFK du coup. On va pas parler. Putain. Je pense qu'il va me tenir plusieurs mercredis, moi je sais pas. Que c'est que ça là, ça c'est l'horloge. Ah le Discord. Voilà, là on attend. C'est la phase un peu plus calme. Ah bah on est short, hein. On est vraiment short. Man. J'espère qu'il va pas avoir plus de poids parce que sinon ça va venir compliqué. Jet Price. KFK, ouais je savais. Pas sûr que tu t'étais au courant. Hein. J'ai l'impression que t'étais pas. Que je t'attendais à pouvoir y parler. Hein. Et non, c'était un piège. Alors, hop. Mais regarde-moi ça, le plat il est complet. Il y avait tout. Ça donne faim. T'aurais pu juste mettre des plats, des trucs restants. Ok, tu vois, en vrai, ça se trouve, le développeur il avait envie de faire des. Il avait envie de s'entraîner, de faire des modèles de burgers et tout ça. Et il s'est dit, tiens, j'ai un jeu d'horreur. Oula, j'ai failli faire trop de bruit. Autant le faire au passage. Ah oui, aussi, on verra rarement des choses bouger. Hein. Planning sur le Discord.
Ah oui, on a des horaires. Alors, les horaires de live, en général, on va faire. Alors, sauf le samedi et le vendredi, on fait nos lives à 18h-20h. Et ça alterne. On est deux sur la chaîne et du coup, on est des fois en duo, des fois en solo. Soit Elodie, soit moi. Mais du coup, le planning, il est bien sur Discord. Et là, il y a les jeux et tout ça. Mais pas les horaires, il faudrait que j'indique les horaires là. Et du coup, le samedi et le samedi, ça débute à 21h. Et le vendredi, ça débute à 20h. Hop là. Alors la TV, on va l'éteindre. On va prendre le burger au passage. J'ai bien mangé après parce que là, je vais être affamé. Voir des burgers tout le jour là, ça me donne faim. C'est terrible. Alors comment ça allait vite hein, pour récupérer les plans. Hein, ce moment, je dis ça que je trouve pas les derniers. Voilà, c'est ça, c'est le karma. Bon, moi, je sais qu'il y a que deux salles, donc. Alors, faut que j'arrête de courir quand j'ouvre une porte parce que ça fait un boucan. Alors, est-ce que quelqu'un aurait vu le dernier pot là? Là, j'ai besoin de ma tête. Si quelqu'un a vu quelque chose, le backseat est autorisé. Hein. Ah, j'ai. Oui, il y a les conseils normalement qui sont activés. Là, le backseat dans le sens. Mais tu l'as loupé! Là, ça me fera rire. Ah, il est là. Ça, c'est. Eh oh, voilà. C'était le dernier. Voilà, on connaît. On commence à prendre la routine du chemin. D'ailleurs, c'est la première fois que quelqu'un dit mon pseudo. Correctement, pour la première fois. Bah, c'est parce qu'à force de lire, hein, forcément. Ça fait pas mal de fois que tu es sur nos lives, donc. C'est au moins le minimum. Ah! Ah non, j'ai cru qu'il y avait eu un son, mais non. Alors, où est-ce qu'on en est? On n'en est qu'à la moitié du temps, punaise, on a speedrun cette journée. C'est terrible cette phase d'attente. Alors, je commence un peu à stresser parce que j'ai peur du premier screen, parce que je suis très sensible à ça. The track. Mais non, c'est des tracks. Par rapport au mien. Ouais, non, mais je suis désolé. Mais Z-Track avait pris aussi cher. Si j'avais dit The Track. J'avais hésité, j'avais dit The Track. Donc, si, il avait été. Enfin, il y en a certains, ils prendraient un peu plus mal, mais ça, du coup. Pour ça, genre, je préfère demander quand je suis pas sûr. The Track, ouais, c'est voilà, c'est. J'avais complètement haché menu ton pseudo. Allez, on éteint. J'ai dit non. Alors, je m'attendais à le jeu qu'il soit, le jeu, il soit un peu plus moche visuellement. Alors, il est daté, je sais plus de quand il date. Mais il est assez vieux quand même. Quoique, ça se trouve, il date de 2017. Parce que là, je dirais qu'il date de 2010. Je suis d'un Big Mac. Ah, mais non, mais parlez pas de bouffe. Ah non! Parce que moi, sinon, je vais avoir faim là. En plus, le Big Mac, qu'est-ce que c'est bon. Pas pour la santé, hein, mais punaise, qu'est-ce que ça fond en bouche, le burger. J'ai toujours pas pu essayer de refaire leur sauce. Et là, j'avais récemment vu un ingrédient à ajouter dans le mélange de base. Je pensais être juste ketchup mayo, mais apparemment, il y a aussi de la sauce relish. Moi, je m'avais dit. Ah non, ça commence à parler de bouffe. Ah! Activé. Est-ce qu'elle était activée? Ah, c'est l'aspirateur. Hop là, bien. Hop et là, on retourne. Comment ça speedrun hein, toujours? Ah oui, donc du coup, si t'en avais pas compris, la barre en bas, c'est la barre de son. Ok, je précise, c'est pas une barre de vie ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est pas clair en vrai. Quand je me cours, on dirait juste pas. Putain, mais j'ai eu peur. Hein. J'ai été légèrement surpris par le. C'est terrible. Du fait qu'il se passe rien, que c'est censé être un jeu d'horreur, je suis un peu sur les nerfs. Genre, j'ai peur d'avoir peur. Un peu comme Plonk. J'appréhende la peur, du coup, je suis pas bien. Parce que je sais que c'est des screamers cheap. Bon, du coup, on va peut-être parler de bouffe le temps que le fantôme nous attaque. Alors,
le veggie, je sais très bien quel veggie il disparaît parce que c'est peut-être pas celui du McDonald's, mais plutôt celui du Burger King. Bon, même si moi je restais sur le croque McDo, je défendrais Cordéa, même si je sais qu'il est un peu cher, mais quoi qu'il arrive, on peut pas dire du mal de celui-là. On dirait du jeu de cuisine. C'est vrai qu'on dirait un peu un jeu de cuisine pour le moment, hein. C'est un petit jeu de simulator. Mais on fait pas la cuisine. Un jour je ferai cuisine simulator en VR. Un jour je le prendrai. Pour l'instant j'ai quand même d'autres jeux à finir, genre... En VR j'ai deux jeux pour l'instant à finir. J'ai jamais vu la radio. Allez, ferme-toi là-bas. Là, s'il y a un second son, par contre, ça va être trop fort. Mais attends, mais quelqu'un a parlé, en fait. Que je sais pas censé parler dans le truc. Où est-ce qu'il est, le dernier? Le dernier plat-plat. Oh, la musique cliché. Ça serait trop marrant sur le U-Box, ça plaît. Là, je joue du... Linkin Park. Linkin Park. Objectif, rendre les clients malades. C'est un peu... Eh, ça rappelle un peu la cuisine de Plonk, hein, finalement. Finalement. Mais c'est chez Plonk. C'est pour ça que c'était hanté de ouf. C'est pas parce qu'il y a des fantômes. C'est juste parce qu'il y a, des objets qui grandissent et qui pop de partout. Voilà, on a plus qu'à attendre. On a fait combien de temps, ce coup-là? 5 heures. 4... Ouais, à peu près 5 heures. Par contre, l'open, non, non, on est fermé. Eh, ouais, t'as mis moi ça. Bon, ça, c'est trop bruyant, on en était qu'à la moitié. Le fantôme qui me dit chut, oh, chut, oh, ça clash ici. Il pourra pas dénier que sa cuisine était chaotique, en tout cas. Et que du coup, ça pourrait ressembler à quelque chose de hanté. Et que peut-être de nombreux poissons sont retrouvés au sol, comme, ou des patates. Et au marqué open, déjà. Mais genre, voix close. Non, c'est des deux côtés, non? Ah, t'as peut-être raison. Ah non, il y a un truc devant, t'as raison. Qui tombe dehors, t'as raison, t'as raison. Hop, et là. Hein. Alors, tac, tac, tac. On est à... Deep, là. Ouais, ça grandit petit à petit, du coup. Ça va devenir de plus en plus compliqué. D'ailleurs, j'ai un doute. Je crois que la musique qu'on a en transition, c'est aussi la même musique que dans Panu Drive. C'est vraiment les jeux du recyclage. Hein. C'est terrible. Il y a les images qui sont recyclées. Il y a les sons. Qui fait ce son-là? Ah, c'est le frigo. Mais attends, mais ils éteignent le frigo la nuit. Ça explique peut-être l'état de la cuisine, hein. Finalement. Parce qu'on ouais, économise, éteins le frigo la nuit, là. Non mais t'es ouf, ça consomme de ouf. Non, la porte. Je vais mettre un caillou. Tu fais un nouveau contexte, tu fais de la malbouffe et t'es médecin. Celui qui a le meilleur système digestif gagne, les autres doivent payer les frais médicaux de tes soins. Pourquoi je pense à ça? Mais c'est quoi ce concept? C'est quel téléphone? Oh non, c'est l'autre par là. C'est du pizza. Attends. Tu fais de la malbouffe et tu es médecin. Attends, je... Ah, genre, tu checkes les gens derrière. Merde, c'est pas ici qu'il y a la bouffe. Je suis déconcentré. Mais pas bien, César. Genre c'est un peu over... C'est quoi c'est non? C'est Oversized Me, mais version genre jeu télévisé. Celui qui a eu moins de dégâts dans son corps. Pourquoi ça semble quelque chose qui est faisable par les Américains, ça? Genre celui qui reste en santé le plus longtemps en chant des trucs pas du tout bons. Ils ont vraiment une sale réputation. Hein. Je pense que c'est mon cerveau qui fait bizarre. N'inquiète pas. Classique. C'est que surnaturel plus capitalisme. Ah, c'est les US du coup en fait. Hein. Et puis là j'ai la musique Zessis américaine.
C'est quoi ce truc-là? Ça, on dirait des tenders, mais ça pourrait être des beignets mal faits en vrai. Ou des sortes de gâteaux. T'as tout compris. Ok, on fait tout ça. On a tous fait ça. Ah, ok. Je l'ai mal lu. Hop là. La TV là, elle va s'allumer. Non mais. Ça continue sur la bouffe, hein, on continue. Ça, c'est un burger des beignets. Ah, pour une fois, il y a un truc qui a été mangé. Ah, mais la cuisine, ça explique pourquoi les plats, ils sont intacts, en fait. Les gens, ils partent. Ils achètent et ils partent. Mon dieu, mais ce qu'il nous faut ici, c'est Gordon Ramsay, en fait. Il y a un truc allumé. Ah, c'était discret comme son. Courbe. Je l'entendais à peine. Enfin, à peine, genre Roland, quoi. Ah, la dernière. La dernière. La bouteille. Oh, mais non! Il doit être là. Hop là. Autant des musiques, voilà. J'aime bien comment rien ne bouge. Au moins, on a le tel pour que je me. Ouais, on peut. On peut appeler directement Gordon Ramsay. Attendez, je vais le faire. Allô? Il a mangé ici, il est décédé depuis longtemps de l'île. C'est ça, c'est pas. C'est le truc du cimetière indien, c'est pour nous faire peur. Enfin, c'est pour faire. Non, pas pour nous faire peur, mais pour détourner l'attention. Ah, vous avez survécu la nuit. Félicitations. Oui, je crois que c'est vraiment le son de la transition d'un jour dans Pony View Drive ici. Mais ça promet. Hein. On a toujours pas de screamer. Hein. On est 8e jour, il s'est rien passé. Hein. On est tout sauf dans un jeu d'horreur. C'est pour ça qu'ils ont pas mis jeu d'horreur en tag. Parce que les gens, quand ils speedrun bien, il n'y a pas d'horreur. On va bien finir par manger un truc, parce que là, je vais quand même speeder. Au bout de 30 jours, on va bien se prendre un PNJ ou non, là. Ça peut pas être plus nul qu'une map Garry's Mod. Hop, et là. On va vite ici, c'est efficace. Quoi ce bruit? Mais oui, mais le bruit en fait, c'est vraiment le fantôme qui se fout de ma gueule en fait. Parce qu'il se fait peu importe ce qui se passe, donc c'est vraiment quelque chose qui rigole. Alors, on a un plat là. Toujours pas deux sons simultanés, hein. Il est fait vraiment un par un, ou alors l'un un bout de l'autre. Et pourtant, je prends des risques maintenant, hein. C'est. Je commence à aller un peu plus vite. Oh, c'est juste l'eau. Juste l'eau, ça semble vachement être une phrase qui va mal tourner, ça. Ouvre-toi. Allez, 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 allez. Hop là. J'ai vu une bouteille. Tout va bien. On a la bouteille en vue. Il nous reste 3 plats. Et il doit être à peine 4 heures. J'ai cru que ma vie. Non mais c'est dingue, c'est que c'est la musique qui s'active. J'ai eu un haut de cœur, quoi. C'est. J'ai eu peur. J'ai eu un peu peur à cause de la musique qui s'active. Oh, mais ça me rappelle en fait un TikTok, enfin une suite de TikTok d'horreur où le gars, il faisait. Genre, c'était faux, hein, mais. Genre, il faisait croire que son. Ou plutôt, il racontait l'histoire, genre de. Il avait des fantômes chez lui, tout ça, qui te suivaient au travail. Et que du coup, il foutait un bordel manche dans son. Je crois que c'était un Starbucks entre un genre. Hop, et là. Tiens, bah attends, c'est moi qui peux activer l'alarme. D'accord. Quand je décroche, ça appelle. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est terrible. Alors. Bah au moins, on n'a pas besoin de ranger le ketchup, ni le sel, ni les serviettes, ça c'est pas mal. Ah. Non, c'est de l'autre côté. Allez, on y va. On accourt. Mais j'arrive toujours pas à savoir si c'est une statue ou un chat empaillé. C'est terrible. C'était quoi cette photo? Ah, c'est pas une drive encore. Il n'y a que des photos de pas une drive, c'est terrible. C'est marqué ici. C'est illisible. Bah. Attends, mais le patron, c'est moi? Pourquoi il y a le.
Il y a les vêtements ici, genre il est mort ici en fait. Ah. Téléphone. Allez, faut courir. On va sur le téléphone. On ne le laisserait pas sonner plus longtemps. Ah, mais le GSM qui fait un boucon, quoi. On dirait qu'il passe au travers d'une antenne. Enfin, d'un truc radio et qu'il le projette à pleine puissance. Oui, il y a quelque chose qui s'est activé. C'est actif. C'est le frigo. Qu'est-ce qu'on a ici? Frotest Fiber Flex. Ouais. Ah, on a survécu, nickel. On n'a pas attendu si longtemps, si. Ouais, on a attendu quand même un petit moment. Jour 8. Ah, cet écran de chargement, on le voit tellement de fois. Ok, donc on en a un là. Hop, on commence direct. Il n'y a pas le temps. Vraiment, le jeu, il va nous amuser. Il va s'amuser à nous planquer des trucs. Il va les mettre au plafond et tout ça. Bah non, en fait, non. Je pense pas. Pourquoi j'ai cet effet flou de temps à autre, là? Genre, mon écran, il devient complètement flou. Ou alors, c'est moi qui hallucine. J'ai l'impression qu'il y a... Ah, c'est le GMSM. J'ai dit chute. Pas de bruit. Pas d'horreur en vue. C'est soit on est trop fort pour le jeu. Soit vraiment le jeu n'a pas d'horreur avant le 10e jour. Ce serait terrible. Vous imaginez un jeu d'horreur, il y a rien pour les un tiers du jeu. Oula, il y a trop de son. C'est un horloge là. Comment ça s'appelle? Un réveil? Oui, un réveil. Horloge. Proche, mais pas tout à fait ça. Il y a un plat là, il y a un là, et un là. Ok, j'ai vu les emplacements. J'ai tout vu. Hop, et là. Là, on est en speedrun, on est totalement. C'est ta vision qui devient floue. Ah, bah oui, bah du coup. Est-ce que c'est pas une... j'ai pas une barre d'endurance en fait? Finalement. Est-ce qu'il y aurait pas une barre d'endurance? Ça serait trop triste qu'il se passe absolument rien pendant tout le jeu, genre. Juste que dalle, c'est pas un jeu d'horreur. J'ai loupé. J'ai perdu de vue un des trucs que j'ai vu. Non, non. Alors. Ah, elle est là. Ce qui me stresse le plus, c'est le timer qui avance. Oh, bon, on est large. Oula. Putain. Ah, enfin, quelqu'un qui a eu peur. C'est juste réveillé en fait. Juste, tu te réveilles d'un coup et t'as plus peur. Bon, pour l'instant, les deux trucs qui m'ont fait peur, c'est la TV qui s'allumait. Sacré timing. Et le jukebox qui s'est lancé. Hein. C'était terrifiant ces deux fois-là. D'ailleurs, je peux teaser un peu pour la prochaine vidéo. Ce sera du phasmophobia. Ah! Allez, on va vibrer sur la musique. Non. La belle plante, je peux pas m'accroupir. Il y a quand même peu de touches sur le jeu, genre j'ai Z, QS, enfin ASDW parce que c'est pas changeable. Et E. C'est tout. Non. Ouais non mais en fait, c'est trop drôle mais... Genre il dit tu peux toucher touche directionnelle mais je peux pas récupérer avec les touches directionnelles. Genre je suis obligé d'avoir trois mains. Ou alors c'est fait pour les personnes de troisième âge. Ou les jeunes. Regardez-moi cette Alice qui tourne. Attends, mais quoi qu'il y a là-dedans, c'est des spaghettis? C'est de la viande? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'il est quand même dans... C'est-à-dire qu'il est quand même endormi? Qu'il s'est quand même endormi? Bon, en vue du jeu, hein, c'est pas impossible. Hein. De l'humain. De la viande d'humain. Non, je pense plutôt que c'était des spaghettis.
On n'est pas sur un jeu, on n'est pas sur. C'est pas Wrong Turn, comment il s'appelle? Massacre à la tronçonneuse, on est sur un cimetière indien. Oh, ça me rappelle un jeu, un film qui parodie un peu, enfin qui est un peu, je sais plus si c'est une parodie ou un truc absurde. Ou genre, c'est une sorte de KFC qui est sur un cimetière indien et du coup ça part genre vraiment loin, mais il part très loin visuellement aussi. Je me rappelle plus du tout du nom. Quoi qui s'est activé? Rien? D'accord. Ça a juste fait. C'est quelqu'un qui tousse, je suis désolé, mais. C'est quelqu'un qui tousse ou qui se moque de moi, c'est au choix. Hop, 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 il y a toujours rien ici. Là. On a fini la première salle. Première salle est finie. Cette porte, elle m'emmerde. Non, il n'y a pas de son. Oh, il y a des trucs au sol. Pourquoi j'ai mangé? Pourquoi il a mangé les chips? Pourquoi il s'est dit c'est une bonne idée manger les chips? Ça fait 10 jours sans rien. Ouais, c'est terrible. Enfin, quoi que, maintenant on a mangé des chips. Ça change. 10 jours, j'ai mangé des chips. Et puis on a. Pas normal, d'habitude, c'est pas ça. Là, il y a des toussotements un peu partout. Je vous l'entendais, il tousse de partout. Jour 10, le fantôme tousse. Ou il rigole. On dirait un enfant, quoi. Il rigole, on dirait un enfant, tu sais. Est-ce que. Je peux manger des chips. Bah, let's play bouffe, normal. Hein. Ouais, mais non, il y a let's play bouffe, mais après, il y a quelque chose qui tousse un peu partout quand même. Ça, au moins, il y a un changement. On a des chips et des trucs qui toussent. Oh, non, le truc. Mais. Elle sort d'où ces chips? Mais. Il y a des chips qui apparaissent partout. C'est le fantôme. Le fantôme des chips! Ouh! Ah là, ça commence à s'enchaîner quand même. Où le dernier plat? Là. Est-ce que. Ah, c'est peut-être pas. Les paquets de chips, ça fait peut-être du bruit quand je marche dedans. D'où le fait qu'ils soient dans le chemin. Oui, c'est ça, ça fait du bruit. Ok, donc maintenant on a des mines. Qu'est-ce que. J'ai entendu un tout sonore. Et notre personnage, il t'inquiète pas. Il est en mode, oh, des chips, tranquille. Il décide de manger les chips. Non mais le jeu qui court, il est pas sur mon chemin. Ok, donc il y a quand même de la stratégie qui commence à se mettre en place. Le fantôme s'adapte. Vous avez survécu la nuit. Ok, donc on a encore eu un tapement, ça faisait longtemps. Mais là, on commence à avoir pas mal. On doit checker le sol. Là, ça va peut-être commencer à s'enchaîner. Là, donc les toussements qu'on entend, c'est des spawns de chips. Spawns de chips. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Attention, tu feras attention aux spawns de chips. Hein. Parce qu'il y en a un tous les 12 minutes maintenant. Oh, bien. Un peu là. Je vais peut-être commencer par ceux les plus loin et finir par les plus proches. Hein. Ouais, je vais aller dans l'autre salle, comme ça m'évitera de passer. Le fait qu'il mange des chips derrière. Hein.
J'arrive pas à savoir ce qu'il dit. Elle dit quelque chose, hein, mais genre, elle dit quelque chose par rapport à l'âge, et ensuite que je devrais décrocher ou raccrocher plutôt maintenant. Mais j'arrive pas à comprendre exactement ce qu'il dit. Oh, les chips sur le chemin. Vers la porte? Non. Hop, et là. Ok, donc après le jour 10, ça va peut-être commencer à devenir compliqué là. Parce que là, s'il y en a un deuxième qui s'active, c'est la même. Dès qu'il y en aura deux simultanés, ça va être compliqué. Hein. Mais il a refait le même. Une petite fourbe. Putain, il faut pas que je cours quand la porte se referme parce que ça fait un boucan. Ok, donc il a tapé une fois. Première fois que je fais absolument... Enfin, même en faisant attention, il tape. Il nous enchaîne. Décidément. Je vais avoir du mal hein, sur ton pseudo pour l'instant. Bon, t'as loupé, il y a eu un toquement pour l'instant. Donc il est un peu énervé, mais pas trop. Il nous reste deux. Wake me up inside. Bah, t'aimes pas le country? Le fantôme, il aime pas la country? En train de me dire, mais pour un cimetière indien, c'est vachement abandonné, toi. Hein. Tu foutrais un cimetière dans un désert. Genre un peu l'endroit le plus chiant dans où creuser. Il est où le dernier plat? Je vais marcher dessus. Ouais, mais il y a des chips partout. Où est-ce qu'elle est la bouteille? C'est vraiment une bouteille, mais où est-elle? Ah là. Je savais que c'était une bouteille, c'est ce que je repère le moins vite. Et vraiment, ils se moquent de nous, quoi, c'est terrible. Ils se tapent des barres à côté de nous. Hop, on va peut-être enfin avoir peur bientôt. Il rigole là, c'est terrible. On dirait un enfant farceur, quoi. J'ai posé des paquets de chips. Alors, on va lire un peu plus. Original potato chips. Vous avez survécu. Écoute, tu. Il tape des barres dans tous les sens. Là, il a. Tiens, moi aussi, j'en essaie. Ok. 10 plats. Bah, en fait, j'ai l'impression que le maximum, c'est 10. Hein. Genre, on n'ira pas plus haut, mais il y aura plus d'objets partout. Et plus d'interactions. Vache, ils nous en ont mis pas mal. On a un bon rôle. Est-ce qu'on a un autre là? Hop. Hop là, direct. 4 d'un coup. Speedrun. Là, par contre, c'est un des rares jeux que tu peux pas speedrun en fait. Tu peux pas plus vite que le jeu. Genre si je décide de vouloir aller plus vite, je peux pas, je suis obligé d'attendre à chaque fois pile le même temps. Le seul, un des rares jeux qui ne peut pas être speedrun. C'est quand même intéressant comme concept. Je suis même pas sûr qu'il y ait des skips. Oh, la TV. Il pense à la planète après? Non. C'est quand même terrible. Bon bah je vais peut-être raconter une anecdote que j'ai déjà raconté, pas raconté en vidéo mais je l'ai déjà raconté pas mal de fois. Alors c'était, donc déjà je dois poser un contexte, donc j'avais l'habitude de faire pendant un moment des balades très tard, genre vers 23h tout ça,
Et je commençais à partir des fois un peu plus tôt, genre 22h, mais je finissais vraiment tard, genre je marchais longtemps. Et donc, une de ces nuits, au lieu de faire ma halte, je me suis arrêté au McDonald's qui est sur le chemin. Bon, c'est pas une histoire ouf. Ah, j'ai pas pris de plat. Pas une histoire ouf, mais une histoire quand même. Et donc, du coup, j'y vais. Je me rappelle, j'y étais parce qu'il y avait comment il s'appelle? Le Big Mac Bacon. Donc, je voulais tester. Je me dis. Enfin, c'est quelque chose, quoi. C'est un Big Mac Bacon. J'aime beaucoup le triple cheese bacon. Autant tenter. Donc, du coup, je prends ce que je prends d'habitude, c'est-à-dire en général un. Donc là, j'avais le Big Mac Bacon et 2-3 burgers, un burger et un croque McDo à côté. Et du coup, ils me disent, quand ils me donnent le plat, ouais, votre Big Mac Bacon, il est pas encore là, il arrivera bientôt. Donc moi, je m'installe tranquille. Genre, j'avais mon téléphone, mes écouteurs sans fil, la batterie était pleine dans les deux, genre, je pouvais rester des heures, quoi. Puis j'attends un moment, je sais plus, je crois que c'est 30 minutes, 1 heure. Ça fait trop longtemps, je pourrais pas dire l'horaire exact. Mais j'attends un petit moment. Bon, personne n'arrive. Je vais à la caisse, du coup, je fais. Bon, vous voyez, on m'avait dit qu'il arriverait bientôt. Genre, il est toujours pas là. Le gars me dit, ouais, désolé, on a oublié. Du coup, on va le faire maintenant. Et du coup, moi, je retourne à ma place. Parce que là, j'ai juste des vidéos à regarder, j'ai même plus à manger. et donc, du coup, je vais attendre à nouveau longtemps, genre, je pense. Une bonne demi-heure, voire plus. Et je reviens. Et le gars à qui j'avais dit ça, il en a. Attends. Oui, il est plus là. Enfin, j'ai sauté une étape. J'ai très mal raconté. Bah, ça va, 22h. 22h, c'est le point de départ. Hein. Je revenais. Je faisais des fois 4 heures de marche. Et donc, du coup, quand je reviens à la. C'est trop bruyant, oui. Quand je reviens à la. À la caisse, celui qui m'avait accueilli, et du coup, plus à la caisse, est en train de prendre sa commande pour manger et ensuite partir. Il se retourne, il est en mode What the fuck? Genre, t'as pas en... vous avez pas encore votre burger, tout ça. Donc, du coup, il était très troublé. Il explique tout pour moi à celui qui est à la caisse, et du coup, il m'a remboursé. Mais genre, il était là en mode What the fuck? D'où t'es. Enfin, il dit vous, il, genre, on a de la chance que vous êtes aussi calme, tout ça. Parce que, genre, moi, j'étais vraiment tranquille. Hein. Moi, je. De base, j'avais prévu de rester longtemps. J'arrive du coup de rembourser tout ça, mais merde, ça me tue vraiment. Il était surpris que j'arrive à nouveau et que il me voit ici calme, genre arrivé pépère. Et j'ai eu d'autres trucs avec les McDonald's. Je sais plus c'est quoi le deuxième truc. C'est terrible, j'ai oublié. Les anecdotes, j'en ai quelques-unes, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. Et celle-là, c'était une. Ouais, c'est drôle, genre vraiment le gars qui se retourne complètement choqué de me voir là. Alors que moi j'étais complètement en mode bah je regarde mes vidéos tranquille. Je quitte l'internet parce que j'étais au Crous à cette époque et disons que il y avait certaines heures où le wifi du Crous c'était un peu on va dire c'était pas ouf quoi, ça marchait un peu une fois sur deux. Bon, une fois que t'étais branché en filaire ça allait un peu mieux, mais là j'avais que mon téléphone à cette époque. C'était spécial. Enfin, non, j'avais tout mon téléphone. Qu'est-ce que je dis? J'avais qu'un câble. Ouais, bah 22h, c'est le début de soirée, c'est vrai. Mais du coup, ouais, je faisais des balades. C'était plutôt que j'étais à l'aise parce que je pensais aller justement au McDonald's. Mais des fois, mes balades, elles débutaient vers minuit et je les finissais à 4h du mat, quoi. C'était spécial, hein. Genre, les forêts de nuit, ça a une ambiance. Enfin, c'est le. Et... Ah, il commence à enchaîner les sons quand même. Ah merde. Vous voyez là, on commence à se faire enchaîner. Donc, on va peut-être prendre des screamers bientôt. Ouais, genre, j'ai fait pas mal de balades de nuit. J'ai pas eu tant d'anecdotes, mais par contre, je prenais souvent des photos. Et je me suis rendu compte que récemment, que ces photos-là, c'était dans le style. Enfin, surtout celles que je prenais en ville. En fait, je cherchais à prendre des photos du style de Liminal Space ou Backroom, comme ça. Là. Comme est souvent. Ça fait trop de bruit. Comme souvent les gens associent avec. Et donc du coup, finalement, je me suis rendu compte que j'étais vraiment... 4 heures, je suis sur Discord. Ah quelqu'un qui vit dans mes horaires de vie, c'est bien ça. Yes, mais je me fais enchaîner, il arrête pas. J'arrive même plus à... Tout à l'heure, il y a des sons continus, je sais même pas quelle heure il est. Ça va être terrible. Je vais bientôt avoir le défaite. Vous avez pris trop de temps. Je me dépêche.
Oh la chute. Allez, plus qu'un plat et on est tranquille. Allez, où est-il? Où est-il? Où est-il? Là. Hop, et là. Ouais, non, moi, Discord, ouais, j'ai 4 heures. Plonk pourrait affirmer. Enfin, Plonk, tous ceux qui sont. Ah! Ceux qui sont sur le Discord de Plonk pourraient affirmer. Puis là. Jusqu'à même 8 heures, des fois. Ah non, même souvent, ouais, je suis tout le temps là, jusqu'à 8 heures. J'arrête d'ailleurs chez Plonk après. Ça sera fini. Je vais parce que c'est la début de la semaine KO. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a fait rien. C'est vrai qu'on a fini les plats. Putain, j'entends rire là. Ah oui, 8 heures, c'est. Oui, ça. Même 4 heures, c'est complexe, hein, je pense, pour toi. Pour avoir enchaîné les 4 heures avec des cours à 8 heures. C'était complexe, donc j'imagine pas pour ça du coup. Faut se coucher un peu plus tôt. Moi, maintenant, je peux me le permettre sans problème parce que j'ai pas trop d'horaire. Enfin, j'ai pas d'horaire. Pas trop de trucs le matin à faire en général. Mais ouais, non, il faut mieux éviter. Il vaut mieux dormir bien. Sans... Parce que ça fait vite mal de pas avoir assez de sommeil. Devait faire régner le câble. Là, c'est la première fois qu'on l'a. J'ai eu peur hein, sur le coup du truc là, je me suis dit qu'est-ce que c'est que pendant les vacances. Ah oui, pendant les vacances, ça va. Tu peux d'avoir du coup taper tes meilleures siestes pendant la journée. Meilleur dodo. Hop et là, on commence direct par une bouteille. Y a rien ici. Oh, ils sont tous au bout, ça va être relou. On commence à s'approcher quand même de la moitié. Et on commence à avoir les nouveaux trucs. Toujours pas de... On a toujours pas eu de screamer, c'est terrible. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas horreur. Hein. C'est vraiment ça. C'est genre un jeu où si tu, si tu gères, tu peux jamais te prendre un screamer. Ou alors si ça se trouve, c'est un one shot et du coup, il faut jamais le prendre. Ça se trouve, c'est une défaite si le... C'est le truc de café, je comprends. Ça se trouve, c'est une défaite si on croise l'Indien en fait. Il nous one-shot. C'est terrible. Mais le sol, il change à chaque fois, c'est chelou. Bon, moi, ça vous montre, hein, je mentais pas, hein, le jeu a l'air claqué. Mais c'est censé être un jeu d'horreur. Journée 11h, 13h. Matin, 14h, 22h après. 22h. Hein, 2h. Attends, c'est quand t'es réveillé ou c'était sieste? Mais j'ai l'impression qu'il me tourne sur la fin de phrase. Ah non, c'était la. C'était la. Le... L'imprimante que j'ai eue. Je crois qu'il y avait un nouvel objet, j'étais en mode. Non. Il y a un paquet de chips. Je savais. Tu vas de l'autre côté. Il se commence à nous faire courir un peu partout. Oui. Hop, et là, j'en ai vu un là. Hop, les la... voilà, c'est des lasagnes. C'est quoi que t'as indiqué, c'est les horaires de réveil ou les siestes? Ah, là-bas, il y a un truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une bouteille par ici? Non. Ah si, j'ai vu un truc. Oh, le plat de frites, là. Oh, le burger frites, il est gâché. Il n'y a pas de son. Chat est très décalé. Oui. J'ai rien fait. Ça a toqué direct. Merde. C'est la spin. Il y a eu qu'un son et ça a pourtant déclenché direct le tapement. En fait, c'est sympa le fantôme de taper pour indiquer que tu t'énerves. Non mais c'est ça, c'est des rires en fait. C'est des rires. Mais ici, il y a un chargement, ça change la texture du sol à chaque fois. Et la bouteille. Un peu là. Oh, on est tranquille en vrai sur le temps.
J'aime bien, c'est que même entre le truc sonne, il génère le même son quand même. C'est pas périodique. Ah, il a pas mangé le paquet de chips. Et celui-là? Il en prend les chips quand même. Chips au passage là. Délicieux. Hop là, qu'est-ce qu'on a ici? On a rien. Oh, le paquet de chips. Dommage que c'était pas les chips barbecue. Ou oignon et oignon crème là. Qu'est-ce que c'est délicieux les oignons. Ça dépend le goût. Là, c'est des natures. Ah, on a survécu la nuit. Eh, on a quand même moins de temps. Hop là, on va être au 15e jour. Attention, on en est à la moitié. Nature, ok. Ah, c'est pas poulet que tu vas prendre. Pas t'embêter comme Kuti le ferait, mais. Hop là, la bière. Non! J'ai failli réussir à rentrer. Non, mais on dirait que la porte se ferme devant moi, genre. Non, tu ne pourras pas passer. Tu ne passeras point. Ah, je veux ça. C'est un repas complet. Moi, je serais lui, je serais trop en train de grailler les plats, là. En vrai, j'ai toujours eu l'espoir que... Enfin, alors, autre anecdote avec le Madnalal. Terrible. C'était une fois, je crois que j'y étais avec mes parents. Là, c'était la seule fois, quand j'y étais, il y avait des gens qui n'avaient pas pris leur repas. Et du coup, au lieu de les jeter, ils avaient pensé à essayer de les distribuer. Genre, ils passaient dans les rangées, ils étaient là, est-ce que vous voulez ça? Genre, à d'autres gens. Je trouve ça trop cool. Parce qu'en vrai, je préfère en vrai que ça soit partagé plutôt que jeté. Parce que ça... Ah merde. Parce que ça menait à peine de... Je me vengerai. J'ai rien fait, ok? J'ai donné un contexte de pourquoi t'as dit ça dépend du goût. Mais en vrai, je préfère largement que tu fasses plus ça quand les gens viennent pas chercher un truc. Oui, c'est trop bruyant. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un canard? Là qui place des canards, l'autre. Canard qui fait coin coin. Comment ça enchaîner quand même? Quick. Il en reste plus que deux, je sais pas où le deuxième. Bah elle est où là? Ça doit être un. Je l'attends encore. Oh, mais il se moque de moi quand même. Alors, le dernier repas, le dernier repas. Où est-il, où est-il, où est-il? J'étais un repas. Où est-ce que je me serais caché? Bah. Bah fou, il est pas là. La 15e nuit, c'est la nuit où il n'y a pas la dernière repas, c'est ça? Ah, il est là. Voilà, on a fini. Onk, la guerre des canards. C'est des mines 2.0. C'est des mines qui sont plus discrètes. Attends, on va marcher sur un canard. C'était trop mignon. Oui, pardon. Oh. Voisin qui râle là. Tu avais un canard juste là. Vous voyez bien d'ailleurs, le son est pas trop fort ni rien. Un léger tremblement quand même. T'es en train de grondement? Ça reste aussi bruyant, il viendra vous chercher. Oh la vache, j'étais pas loin. Je commençais un peu à stresser pour le coup. J'ai peur du screamer, c'est terrible.
Il m'a engourdi. Nickel. Je suis actuellement angoissé devant le jeu alors qu'il se passe rien. Bah. Ah, on a un repas de plus, enfin. Bon, quand on aura eu la mort et que je verrai ce qui nous attend, ça ira mieux, mais là pour l'instant, il va venir par nous chercher, quoi. Là, je pense que la prochaine nuit, c'est celle où on va mourir. Si on meurt quand il y a trop de son. Parce que ça a quand même vachement l'air d'être un jeu où on se prend vraiment un scammer final quand on meurt. Genre un peu la Final Fantasy Freddy's. Quel prankeur quand même. Terrible. Bonne droite à gauche là. La bouffe. Ah non, c'était une boisson. Zoupé. Zoupé. J'invente des mots. Nous zoupons. Nous zoupâmes. Bien. Passe bien. Hop, on éteint le frigo. Commence à speedrun le jeu. Il y a des professionnels. On prend le burger, il va activer le truc, tout va bien. Voilà, on la porte. Bon, j'avoue être déçu un peu parce que je m'attendais à un jeu d'horreur à part entière. Et pas juste genre des screamers de temps à autre, c'est pour ça que j'étais un peu plus stressé des screamers. Là j'ai vraiment l'impression. Oh putain, le canard. Canard m'a eu. Ouh, le petit fourbe. On a mis un sur chemin. Hop là, hop là. Et des échanges rapides. On court, on court, on court, sans s'arrêter. Pas par là. Par là, hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a un là. Ok, j'ai vu les deux derniers qui restaient. Et le dernier, le milkshake. Il est sympa cette nuit du coup, c'était vraiment la nuit 15 qui était compliquée. La prochaine. A plus, Iki. Content de t'avoir vu en live. Encore une fois, merci pour le follow. Et du coup, on a plus rien à faire. Hop là. On va se balader tranquillement et pas faire de bruit. Quand je marche, ça fait du bruit. Ok. Ne marche pas du coup. On marche. Il veut un bon café. Tiens, qui aime les cafés dans. Qui est café ici, plutôt que thé? Café, ça comble. Cappuccino, expresso, tout. Genre tout ce qu'il y a de la, du café dedans. Je vais voir un peu. Qui préfère le café au-dessus du thé? Juste comme ça. J'y ai pensé, je me suis dit pourquoi pas. C'est une question. Oh, il y a encore. Moi aussi, je vais aller à plus. Romé. Ah, les chips. Romé, pardon. Décidément. Jusqu'au bout, j'aurais lâché le menu ton pseudo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, l'heure qui indique bientôt 6 heures. Non, je n'éteindrai pas. On a une. Ah, bruyant! Chut, ouais, tu fais plus de bruit. Attention, vous avez survécu à la nuit. Il est 6 heures, le fantôme ne fait plus aucun effet. Quand même un fantôme très spécifique, hein. C'est minuit, 6 heures, pas plus. En fait, j'ai l'impression que c'est une. C'est genre. Le son, c'est pas genre. Je dois pas atteindre le rouge, en fait. C'est plutôt. Je dois pas rester longtemps le plus haut. Enfin, je dois rester le minimum le plus bas. Genre, ça doit être une jauge qui grimpe à côté, mais une jauge invisible. Qui grimpe doucement. Et. En gros, la barre en bas, c'est notre barre de vitesse de progression dedans. Genre, vers le rouge, elle monte plus vite que vers le vert. Et donc, du coup, en fait. Plus il y a de boucan dans la nuit, plus. Y a... Le fantôme. Va venir. Je
sais pas si mon explication est très claire. Ok, ici c'est clear. Un peu là, on éteint. Que 6 menus restants. Là c'est clear, on est que dans cette salle. Y'a pas posé de paquet de chips encore. Devant moi. Il pose souvent en fond du magasin. Hein. Oula, j'étais à fond. Ah, c'est le frigo ça. Franchement. Merde. Bon, si on le voit pas avant que je vois qu'il soit trop tard, je ferai en sorte qu'on perde un petit coup pour. On le voit quand même. Pauvre fantôme là. Où les chips? Il a pas mangé les chips. Nous sommes déçus. Le canard. Il y a de l'eau qui coule. Oh, j'ai réussi à sortir avant même qu'une porte se ferme. Incroyable. C'est un succès. C'est incroyable. Tiens, d'ailleurs, pour vendredi, on va se faire Stanley Parable Ultra Edition. Parce qu'il faut quand même se le faire. Le jeu, j'avais... Merde, il y avait des chips. Le jeu, j'avais adoré, on va dire, la version de base, le premier. Franchement, le fait qu'ils en aient fait de deux, voire grosses extensions, trop content. Genre, on va vraiment se taper des barres vendredi. Ça va être... Le jeu est banger, donc le live va sûrement être banger aussi. On serait quand même triste. Déjà, de base, je pense qu'on va refaire les... On va éviter de faire... Enfin, non, plutôt, on va éviter de les faire, les runs qui sont dans le jeu de base, si elles y sont. Ou si on... Enfin, je ferai. Je sais pas du tout à quoi ressemble... Qu'est-ce qu'ils ont ajouté au jeu, tout ça. Mais what the fuck? Genre, ça parle de canard, en fait. Ça parle du canard et d'autres trucs que je peux, qui sont pas family friendly, c'est quoi ce délire? La voix, enfin, écoute, c'est téléphone rose version canard. Genre vraiment, je déconne pas. C'est téléphone rose canard. Putain, c'est boucan ce machin. Oh, le Mugen 56k là, tu l'éteins. Pas d'internet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez survécu la nuit. Yes. Le jeu, y a rien, c'est terrible. Je pensais que ça allait. Je suis déçu. Je suis déçu, c'est terrible. Ça va qu'il était dans un bundle, hein. Peut-être avoir peur ou non? Au moins, pas du drive, c'est une valeur sûre, mais celui-là, punaise. C'est pas la valeur sûre, quoi. Eh oh. J'ai pas de son. C'est vraiment moi qui range des trucs à l'infini. C'est terrible. Bon, moi, j'aurais peut-être le temps de finir le jeu, peut-être. Je me demande si je pourrais le rembourser. Ah, mais non, ça fera plus de 2 heures. Quoique, si j'arrive à le finir. Ça peut se tenter. Ah. Non, je crois pas, non. C'est André Barrière, le pauvre. Je pense à André Barrière. C'est... Au moins, on a son style nul, là. On a vraiment le pire qu'il a fait. C'était incroyable. Oh putain, les chips dans le chemin, c'était méchant. Alors... Facebook, hein, ça. Hop. On prend. On dépose. Et on continue. Et rebelote. Je comprends pourquoi, du coup, il n'y a que 50 petites personnes. Faut vraiment un panier du drive, il n'y a même pas la peur. Ah, ce GMSM.
Hop là, on court. Ouais. Il a posé des chips sous. Non. Non, c'est un truc. Là, hé, hey, récupère. Ah mais merde, j'ai pas déposé le mien. Oh non. Oh non, la défaite. La défaite qui arrive. Le burger. Mais qui est là? Oh, mais il est que 2 heures. Par contre, c'est du que 2 heures et j'ai déjà fait autant de sons. Oh. Là, j'ai fait un petit boucan. Ok, j'ai les 2 dernières vues. Tout va bien. Il le fait devant moi, le con. Débilus. Je préfère faire à l'autre bout. Comme ça, j'ai pas le temps. Hop, on récupère le canard. Non, on récupère le canard, ça fait du son, non? On va pouvoir tester. On va pouvoir tester maintenant. Un canard. Non. Non, ça fait pas de son. Pourtant, il fait un bruit quand on le récupère. Ah! Pas de chips. Il y a de l'eau qui coule. Enfin, les deux alignés, c'est vénère. Hein. Alors, le canard. Récupéré. Le canard a été récupéré. Bon, on va s'installer pour manger ce morceau de pain après. Putain, mais ça fait 19 jours qu'il est là. 19. La fête vénère ici, moi. Ah, on a survécu. Bravo. Vous avez survécu la nuit. Ouh. Je pense pas qu'on aurait le temps de finir. Il restera que 5 jours, mais en vrai, au vu de la tête du jeu, le finir, ça serait un peu trop demandé. Ça va un peu trop lui donner, quoi. Genre, il n'y a même pas de défi, là. Je croyais qu'on allait faire des trucs intéressants. Je suis tellement désolé. Oh, putain. Oh, c'est vrai que la semaine prochaine, j'ai choisi des valeurs sûres, quoi. J'ai pris du VRChat. J'ai pris du... D'ailleurs, faut que je me garde des maps de VRChat de côté. J'ai pris du VRChat, du Escape from Tarkov. Et le dernier jeu, c'est quoi? C'est un... Qu'est-ce que j'ai pris comme autre jeu? Qu'est-ce que j'ai pris? J'avais... Oh mince, bah, j'ai oublié le dernier, c'est quoi? Vous avez tous choisi. Il y avait Tarkov. VRChat. Mais qu'est-ce que je fais le mercredi? Ah, mais j'ai peut-être pas choisi, peut-être pour ça aussi. Peut-être pour ça que je ne sais pas. Plein de ces bruits, ce machin. Faudra que je trouve du coup un jeu. J'ai pris des valeurs sûres sur des jeux auxquels on peut se reposer. Pour l'instant, j'ai un visage, peut-être plus tard dans les jeux d'horreur. Mais j'attends que j'oublie un peu comment ils jouent. Comme pas mal de gens, ouais. Je l'ai déjà vu, j'oublie pas. Pen du Drive, par exemple, je ne regarde pas parce que j'essaye d'oublier comment on y joue. Merde. T'as la nuit 19, là, elle est vénère. Hein. Je vais enchaîner une bouteille là. J'ai complètement zappé ce que je vais faire. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Tac, ta, 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 y a rien à faire, il faut juste courir, y a pas de fantôme. Tout n'est que mensonge. Ah, c'est l'eau, punaise. Les chips. Je les ai vus au dernier moment.
Bien tenté. En vrai, les gens doivent plus souvent perdre du temps qu'ils perdent à éteindre tous les trucs qu'autre chose. Ouais. Ah, mais c'est le dernier. Ça va. Il reste du temps. Voilà. Et là, on est tranquille. On est tout tranquille. Et là, comme il n'y a plus que deux spectateurs, je suppose que c'est moi et Elodie. Donc, du coup, on est plutôt tranquille parce que je pense pas que quelqu'un va passer. Et si quelqu'un passe, je t'effraie. Que mon dieu, ça veut dire que quelqu'un aurait osé venir faire un autre tag pour un jeu comme ça. C'est effrayant, ces gens-là. Et. Vas-y, ici. Obligé d'attendre, quoi, c'est terrible. Ça ne passe rien. C'est quoi ce jeu? On a même plus l'alerte depuis un moment là. Il y a même plus Toki contre la fenêtre. On est devenu trop fort. Hein. Trop de talent. Alors, c'est même pas un jeu d'horreur, c'est un jeu claqué. C'est terrible. Donc ça, d'aller sur des jeux qu'on ne peut pas tester en avance. On va booster un peu les graphismes en attendant, hein. On va tout mettre en élevé. Comme ça, on verra la peur en HD s'il y en a. Regardez-moi ça. C'est joli, hein. J'ai même pas vu la différence, perso. Quoique, peut-être les reflets sont un peu plus jolis. Non, ils sont toujours aussi terribles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une bière là, on en a 12. J'ai l'impression qu'il est encore plus moche. Je savais même pas que c'était possible. Ça augmente les graphismes et le jeu devient plus moche. C'est quand même un con. Un comble. Nice. Que je demande qui a choisi ce son là parce que c'est quand même terrible. Hop, et là on prend ça. J'ai vu des barrières derrière. La TV qui s'allume, nickel. C'est sur le chemin. On éteint. Il y a une bouteille à côté, nickel. Ça va très vite, attention. Hein. T'avais jamais vu quelqu'un ranger les objets aussi vite de sa vie? Hop, hop, hop. Ça range vite, ça range vite. Je vais réussir à m'en ressortir. Je vais réussir. Qu'est-ce que... Il y a des pièges à souris maintenant. C'est de plus en plus petit. Le gars, le fantôme, il s'est dit... Les paquets de chips jaunes, pas le meilleur. Canard, un peu mieux, mais peut mieux faire. Piège à souris, minuscule, quasi invisible. En plus, le sol est tellement sombre, genre on les voit quasiment pas. Mais mon personnage va faire ah. C'était les chips. Je les ai vus que trop tard. Hop, et là. On éteint ça. J'ai vu une bouteille ici. Le dernier. Oh, il est. Où est-il? Où est le dernier plat? Ah, là. Bon, nickel, le dernier juste en face. Après, on sera tranquille. Si j'ai fini avant les 3 heures, c'est ça qu'on appelle speedrun. Et on a fini avant les 3 heures. Allez, ça speedrun ici ou ça speedrun pas? On n'a rien à faire pendant trop longtemps. Allez. Ah, il y a un son là-bas. Ouh, c'était risqué ça. Bien, tu l'entends rire là. Je posais une chips au sol. Ah. C'est là. Ça a toqué. Ça, c'est pas impressionnant. Ça a toqué. Tocard, hein. Ça vient d'où l'expression tocard?
Des questions existentielles. D'où vient l'expression toqueur? C'est quelqu'un qui toque. On sait pas que je pouvais aller là. Eh, c'est joli dehors. Regardez, il y a un tourniquet et puis des balançoires. Et après, c'est un désert. Un grand désert. Mais par contre, on dirait vraiment c'est la vieille du haut qui fait. Qui tape avec le. Ou la vieille du bas qui tape avec le balai. Oh, vous faites moins le bruit! C'est juste une vieillasse. Ou alors un vieux là qui est là en mode ah, il y a plus de sang que j'autorise. Ah, ah. Vous avez survécu au service de nuit. 20e jour. Attends, c'était le 20e là? Et c'est rien passé? Ah si, y a, la dernière fois il y a eu paquet de chips, là il y a les trucs de piège à souris. Là. Grosse évolution. Hein. On avance beaucoup dans le jeu. On progresse. On ne peut pas aller plus vite. Vous vous rendez compte que là, c'est la vitesse normale. Genre, on peut pas aller plus vite que ça dans le jeu. Un jeu, il va forcément faire cette durée-là et pas plus ni moins. Mais pire, c'est qu'il y avait des commentaires positifs hein, sur le jeu. Hein. Genre, des gens, ils étaient vraiment là. Moi, je me disais, c'est peut-être genre... Comme avec Panic Drive, genre, c'est une façon de voir le jeu. Non. Là, y a rien. Panic Drive, au moins, y a une sorte de sentiment de peur. Genre, y a des trucs aléatoires et tout ça. Y a des screamers en chemin. Là, c'est littéralement, si tu joues bien, t'en as pas. Panic Drive, si tu joues bien, y en a quand même. Oh, on va peut-être mourir. Je peux le sentir arriver. Ouch. Si on meurt, je vous dis, on va parler, on va discuter, on va arrêter de jouer le jeu là. Il va se désinstaller instantanément. Et là, il y a eu pas mal de sons d'un coup. On va peut-être avoir enfin le vrombissement de nouveau parce que ça fait un moment qu'on l'avait pas eu. Allez, on court. C'est vraiment qui rigole sur celui-là. Et ça, c'est le son de Seven Days to Die. Je suis pas fou. C'est le pshhh de quand tu mets quelque chose dans... Quand t'allumes ou éteins le feu de camp. Regarde. C'est l'exact même son. Devait faire régner le calme. Le calme, j'ai dit. Des pièges à souris partout. On dirait un restaurant qui a un problème de rein. C'est chiant à viser là. Petit. Ah les chips. Ah, il y a le vomissement. Ouch. Regardez, on va peut-être bientôt prendre le streamer. Aujourd'hui, on se retrouve dans un séisme. Ah, là, c'est complexe. Bon, je pense qu'on va mourir, hein, clairement. On va se prendre un PNJ dans la gueule. Hein. Je vais me mettre un peu au fond. Parce que... ça reste un screamer, quand même. J'ai peur qu'il fasse toute la taille de l'écran. On a des bruits. Ah bah non, la nuit elle va se finir. Ce séisme. Il est devant la porte? Monsieur? Vous avez survécu. Ok.
Décidément, il a même pas réussi à le tuer. Bon, on va l'appeler, puis on va arrêter. On va se mettre sur le côté. On va l'appeler. Allez, on va l'invoquer. Speedrun de la mort. C'est trop bruyant! Ah mais c'est vraiment ça? C'est juste un putain de PNJ qui pop? Ah le jeu nul! Nul! Allez! Oh, ça c'est par contre pour clipper. Je suis désolé mais c'est tellement terrible pour clipper, genre la fin nulle. Ah, je vais clipper ça, moi. Oh, c'est nul, nul, nul. Oh, punaise. J'avais peur d'un PNJ. Quand tu disais PNJ, genre, je pensais genre à la Garry's Mod, vous savez. Le truc en milieu d'écran ou un truc du genre, quoi. C'est le classique. Non, non. Enfin, punaise, en plus, ça sauvegarde jusqu'au... Ça sauvegarde chaque jour. Donc, voilà, actuellement, j'en suis au jour 22. Si je veux reprendre au jour 22, je peux. Concept et idée, André Burger. Il a vraiment tout fait. Panji Drive va être bien meilleur, ça je peux vous l'assurer. Burning Rubber, qu'est-ce que c'était que ce succès? Alors, on a eu le succès atteindre le jour 20. 3,9% des joueurs ont eu ce succès. Il y a vraiment personne qui a quitté le premier truc. Alors, 14% des gens ont fait le premier jour. Et seuls 3% ont fait le 20e. Je me demande pourquoi. Et il en reste encore deux autres. De réussir tous les succès. Je me demande les stats, à quel point elles sont basses. Je serais peut-être de finir le jeu en solo pour au moins avoir tous les succès. Et faire partie des très peu nombreux joueurs qui ont fini ce jeu. J'ai même pas fait 2 heures. Si je veux, je peux le rembourser, mais je vais pas le rembourser, la flemme. Sans je l'ai eu pour le prix d'une bouchée de pain. Je le désinstalle par contre. Bon, du coup, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah, je l'ai dit depuis tout à l'heure. Est-ce que ça m'a donné des objets? Parce que là, je vois que j'ai des items. Même... Ah si, j'ai des items. J'ai des items. Bah tiens, est-ce que ça se vend 7 centimes. Ça vaut plus que des trucs de Kerbal Space Program. Est-ce que vous me croyez quand je vous dis que ça vaut plus que des trucs de Kerbal Space Program? Mais c'est qui? Mais qu'est-ce que? Mais pourquoi? 12 centimes, eh, 21 centimes, eh. Attendez, ils sont où les deux autres là? D'où ici? Hein, ça c'est mes trucs de fond. Ah, je sais même pas où ils sont. Charlie, les horreurs à vol. Mais... Bon. Je les ai perdus, ils n'existent plus. Tout a été perdu. Où est-ce qu'ils se sont planqués? C'est quoi ça? Planet Coaster? Bah non. Ah, ils sont là. 3 gemmes les trucs et pourtant 6 centimes, 7 centimes et... Ah ouais, non, c'est marrant. Par contre, volume vendu, on a 0. Bon, voilà. Bon, jeu d'horreur. Claqué au sol, j'aurais même pas mis horreur, j'aurais juste mis jeu. Jeu claqué au sol, ni André de rien. C'était très fortement déçu. Je vais attendre que Plonk se mette en live pour lancer un raid. Et débarquer chez lui tel le FBI. Il démarre à l'heure déjà, parce que ce serait pas mal. Ah, une balle perdue, mais là, je suis colère. Je suis griffounouin, j'ai pas de moi. Je suis grincheux. Je suis pas content. Mais non, mais ça, c'est ma chaîne. Retour Twitch. J'ai faim aussi, c'est vrai. J'ai très faim, là, je vais pouvoir commander. Ah, ça va être bien de pouvoir commander quelque chose à manger là, parce qu'on a parlé de bouffe tout à l'heure là. Vous voyez, vous parlez de bouffe, tout ça là. Ça donne très fortement envie. Hop, et là. Ah, je vais m'entendre en écho, vous m'entendez en écho. Hop. Pardon. C'est juste pour aller régler, il faut que je fasse ça. Du coup, où est-ce que c'est? Ah, je lag. Ah non. Ah, c'est débile. Je me vois en double, du coup, je lag.
Je vais réduire la qualité pour éviter la guerre. Je suis en 1080. Pic. En 7, en 720. Pardonnez-moi de ça, la gueule. Il faudrait que je regarde mes trucs, je suis en 7, en 720, c'est pas normal. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux pouvoir. Comment... les paramètres de la chaîne là. Voilà, personnalisé. Pardon si je lag fortement. Mon processeur qui décède. Voilà, ça devrait mieux aller. Processeur qui aime pas gérer plusieurs trucs en même temps. Non, pas le live. Hop, chute. J'ai dit chute. Par contre, ouais, non, je suis censé être. Attends, déjà, sur OBS. Pourquoi je suis en 1080? Cette fenêtre, comme ça me fera moins laguer. Alors, pourquoi je suis en 1080, dites-moi. Sortie. Sortie. Stream. Vidéo. Ah ouais, je sors de la 1080. Le débile. Je suis censé sortir de la 720. Oh punaise. Oh, je m'aide pas. Je m'aide pas, je m'aide pas. Bon, allez. Mais non, mais j'ai dit pause. Voilà, pas compris. Allez, c'est temps de c'est le live planque, j'ai rien de pire qui est en ligne en essayant de pas me faire laguer. Le voir de toute façon en retour si ça lag, parcourir, voilà, tubeur là ça lagera pas, j'ai pas de vidéo en cours en affiché. Alors qui est en ligne, on a Justin Chat, Tato, on a Ilunia, Portal 2. Atomic Braven qui prend bientôt son live. On a. Tant que je connais. De toute façon, c'est Plonk là ce soir que je voulais live. Que je voulais live. Que je me voulais. Oh, c'est du spoil. J'ai vu Stanley Parable. Du spoil. J'ai failli me faire spoiler une image. Bon. Mais je vais me tendre un peu. On se fait craquer les épaules. Voilà. Il y en a même pas les multiples. Je peux peut-être pas attendre si longtemps. Peut-être arrêter le live maintenant. Ouais, je vais arrêter le live maintenant. Que là, je vais attendre trop longtemps avec quasiment personne pour Flonk. Je vais arrêter le live maintenant. Du coup, on va passer une bonne soirée. Moi, ouais, je vais pas vous enlever ces Flonk, mais je vais aller chez Flonk.